Inch'Allah vers 10h ils vont nous désigner un guide.
Les vacances, hein. Les vacances. Les bons mois, le MCD. Chal, tu as pris un. Trimestre, deuxième trimestre, chal. Tout passe. Tout passe. Très bien. Très bien. C'est quoi? Alors, on a fait notre happy birthday à Study Center. On le remercie d'ailleurs de cette balade. Hein? Oui, on le remercie. Ça se passe très bien. On est très contents. Hein? Et la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Voilà, donc c'est à peu près pareil. Nous sommes dans un cadre très agréable avec vous et avec les apprenants. J'espère que nous allons découvrir des choses très intéressantes à l'intérieur, donc aussi bien à l'extérieur, parce que l'extérieur est très agréable aussi. Oui. Donc on espère voir autre chose, plus intéressant aussi à l'intérieur. Donc et on espère apprendre aussi avec nos apprenants. Et c'est une, et, ça sera une... Inoubliable. Voilà, on espère, espère qu'on gardera un bon souvenir. Un bon souvenir. Et puis la prochaine sortie, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Voilà, on vous remercie. Merci, merci beaucoup. Tout à l'heure, on est dans le château de Versailles. Non, on est dans le jardin du château de Versailles. Son émission préférée. Non, jamais. Je pense que ça doit être. Je pense que ça doit être. Il faut poser cette question. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on va poser comme question aussi? La même question. Madame, parce que maman, hein? Quand elle est partie, elle était au lycée. Et maintenant, elle a 44 ans. Ta mère, elle n'est pas vieille, non? Ouais, elle est plus mal. Non. Regarde les habitations. Ça doit être du temps des durs. T'as vu comment c'est? Oui. Déjà les fenêtres. C'est les durs qui... Pas rien que les fenêtres, même les habitations. Regarde comment c'est construit. Regarde les escaliers là-bas. T'as vu la faïence là-bas quand c'est beau jour? La faïence, c'est bien. Ça, c'est un style. C'est le style turc. Ben oui. Depuis quand existe-t-il? Qu'est-ce que tu as appris dans cette excursion? Et puis on va demain tu me la remettre. Et ça m'explique à quoi? Ah oui, ça appartient. Pardon. Non. Mais ça appartient pas à moi. Cet endroit appartient. Et à qui ils sont? Lui, il avait, alors, il recevait des ordres de chez Sultan Suleiman, hein, parce que la capitale, toute la capitale était à Istanbul. Et là, c'était par exemple la chambre où il allait. À peu près, hein. Ma lâche, elle est sur mes rangs. Depuis quand est-ce que c'est? Pourquoi il s'appelle? Allez-y, on va aller. Ouais! Même moi! Oui! Allez! On part? D'accord. Voilà, on va dire au revoir au petit chat. Voilà, au petit chat. Thank you.
Donc voilà, on va faire aujourd'hui, on va visiter le palais Bardot. Le palais Bardot, voilà. Parce que le musée Bardot se trouve dans un palais. Et aujourd'hui, on va visiter le palais. Pourquoi j'insiste sur le mot palais? Parce que en ce moment, les objets ne sont pas encore en place. Donc on va visiter l'architecture. On va visiter le palais parce que le musée a été fermé quand même pendant quelques années pour restauration. On l'a restauré. Est-ce que vous savez ce que c'est une restauration? Voilà, très bien. Donc c'est une restauration du palais. Et c'est pour ça que tous les objets, on était obligés de les mettre dans des réserves, pour les protéger, en attendant de préparer leur nouvelle installation. Parce qu'il y a tout un travail à faire, réfléchir, ce qu'on appelle en ce moment la scénographie. Ce qu'on appelle la scénographie. La scénographie, c'est les nouvelles méthodes, je les prends en charge, oui. Alors les nouvelles méthodes d'exposer les objets dans les musées. Parce qu'auparavant, à chaque fois qu'on récoltait quelque chose, un objet ou une pièce préhistorique, on venait, on la mettait, on mettait une étiquette, le nom de la pièce, la date. Maintenant, non. La scénographie, c'est comme un petit voyage. Quand vous rentrez dans un musée, comme si vous allez en voyage. C'est-à-dire pendant tout le long du passage, de la visite, c'est-à-dire on perçoit, on reçoit des informations qui sont données avec beaucoup de recherche, avec beaucoup d'esprit de recherche et beaucoup de facilité à ce que même les enfants ou les adultes puissent acquérir ces informations. Parce que souvent les gens qui viennent, ils ne sont pas spécialistes. Donc je vais encore vous dire autre chose. C'est un musée spécialisé en préhistoire et ethnographie. Histoire. Rien. Histoire. C'est ça. Et l'ethnographie. Qu'est-ce que c'est? Alors l'ethnographie, c'est les études ethno, qui veut dire, c'est un mot latin, qui veut dire la science des tout ce qui est les ethnies. Voilà. Donc ethnographie, graphie qui veut dire science. Donc nous, on est un musée où on a la préhistoire, voilà, et on a l'ethnographie, c'est-à-dire qu'on a les deux objets, les deux sciences. Je vais juste vous poser une petite question. Il y a la préhistoire. Qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans l'histoire? Donc il y a un truc qui est très important qui fait qu'on est en préhistoire, mais juste après cet événement, carrément on rentre dans l'histoire. Donc c'est l'écriture, c'est l'apparition de l'écriture. Et ce qu'on appelle le Tifina, les plus anciennes écritures en Afrique, on a dit tout à l'heure que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, c'est donc on a la préhistoire. Après, il y a le passage qu'on appelle la proto-histoire. Et pendant la proto, il y a eu beaucoup de gravures, beaucoup d'essais de commencer à écrire. Après, juste après cela, on rentre dans l'histoire. Et l'histoire, c'est tarikh. Alors c'est Studies Center. Ensuite c'est le Romain. Non, pas.
Et j'en ai juste la casse-bas. Et j'en ai juste la casse-bas.
considero? Ma parola. Voilà, directeur. Ok. يعني باش وصلنا باش راكم الحمد لله تقراو وراكم يعني avec beaucoup d'humilité c'est qu'il existe des اللي se sont sacrifiés pour ça donc voilà donc quand on est là juste une petite pensée que ce soit جد ولا نساء voilà qui limitent leur حياتهم على جد باش حنا اليوم انا عايشين كمان مستقلين donc voilà Donc, cette exposition, l'activité du musée spécialité ethnographie. D'accord? Ethnographie. Donc, voilà. Yani la conception théâtre. Donc, vous pouvez interpréter qui m'a fait كل واحد يشوف الصور يشوف لي كاد يشوف لي بينتور يشوف ميم لي بون ديسيني وتقدروا كل واحد يعني ايماجيناسيون تاعو علاش تصدرين هكا نعم انت واش تقول واش انت واش كراك تشوف هكذا واش هي الحاجه الاولى اللي بابا ريش وي Chacun, quand vous êtes sur le terrain, imagination. Voilà, maintenant je n'ai pas comme. Et ça, par exemple. Et ça, ça c'est quoi, Redoma? C'est dur. Alors, Anaya, par exemple, Hajjel Loubla qui chauffe avec ta. Je chauffe la technologie et les coutumes. Très bien, technologie. Voilà, c'est très bien. Donc, Anaya. Elle est la première des choses. Elle dit que je suis là, mais n'imposez rien. Elle est là, est-ce que la femme souffrait en étant voilée? C'est-à-dire, est-ce que quand tu as une personne dans son haïk, ou là, c'est-à-dire, on ne sait pas. Parce que quand on a les coutumes, on est obligé parfois de les faire sans se poser de questions. On n'a pas le choix. Parce que les takalit t'aimer pour le hekda. Donc on ne sait pas. C'est-à-dire que les femmes à cette époque-là, qui fait que nous. Donc voilà, Nancy le hayek vogue. Je connais un vogue. Vogue. Non. Vas-y, non, je connais pas. Vogue, c'est la mode. C'est la mode. Bravo. Voilà. Oui. Il y a même une femme à la mode. Voilà, c'est les femmes. Elle est à la mode, elle. C'est une femme qui commence à voilà. Entrer dans la... Donc là, ça représente une force. Oui. Est-ce que le hayek, c'est-à-dire, était... C'est-à-dire, chacun, comment il veut voir le... Interpréter la couverture. Voilà. Oui. Que derrière ce voile, il y avait des femmes très... Exactement. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. C'est qu'en 62, c'est-à-dire que les femmes, à cette époque-là, ont enlevé le hayek parce que c'était un moyen de liberté. La liberté parce que les femmes, elles ont payé pour le jour, elles ont travaillé, elles ont travaillé, c'est-à-dire que le gaurin n'était plus là. Classe. C'est-à-dire qu'on était entre frères et sœurs. Voilà. Il n'y avait pas même une mouchkine dans le... Voilà. Libre dans tous les sens. Donc ça, c'est une création. C'est aussi que vous pouvez... Voilà. Et vous allez voir par là, fameuse Ina, la fameuse Ina. Ça, ben, je sais pas. Il y a plein de colliers, plein de
le bras en avant. Voilà, il y a ça. Là, dans votre classe. Oui, ça, ok. Là, ça, je viendrai en cours. Allez, à demain, madame. C'est bon, elle va être transformée à partir de demain. À partir de demain. De toute façon, ça vous va bien, madame. Ah, merci. Ah. Bon, alors, merci. Elle était cadre à la son alpha. Elle va porter une foule en arrivant à le travail, l'enlever. Elle arrive en chair à cœur, le remettre. Donc, elle a mis l'air, elle. Jusqu'à ce que c'est marié. Elle va. On se retrouve dévoilés. Voilà.